Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Nous nous retrouvons pour une troisième vidéo sur le participe passé. La dernière fois, vous vous en souvenez, je vous ai rappelé les règles que beaucoup oublient. Avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Avec l'auxiliaire avoir, on accorde le participe passé avec le COD s'il est placé devant le verbe. Mais si ces règles ont tant de mal à rentrer, c'est peut-être parce qu'on ne les comprend pas. Vous a-t-on déjà expliqué d'où ces règles venaient ? Je m'appelle Marie Astrid, je suis professeure de français et dans ce cours, je vais vous livrer une astuce qui va peut-être changer votre vie. Lors de l'épisode 2, je vous ai dit que Voltaire accusait Marot d'avoir ramené l'accord du participe passé d'Italie. En réalité, c'est bien avant le XVIe siècle que cet accord est apparu en France puisqu'il vient du latin et je vous propose un petit voyage imaginaire pour assister à sa naissance. Je vous emmène sur le site spectaculaire du Mont-Saint-Michel au Moyen-Âge. Là, dans une abbaye, vivent des moines qu'on appelle des moines copistes. Comme l'imprimerie n'a été inventée que très tard, pendant très longtemps, ce sont les moines qui ont été chargés de recopier les manuscrits, écrits à la main ou plutôt calligraphiés à la plume d'oie. Ça, c'est leur occupation principale. Mais en plus de cela, que font les moines toute la journée? Ils travaillent, ils prient, ils dorment et ils mangent. Et toutes ces activités sont rythmées par la cloche qui leur indique qu'il est temps de passer à l'activité suivante. Imaginez donc trois moines dont le ventre commence à gargouiller car il est bientôt l'heure de déjeuner. Le moine numéro 1 doit écrire cette phrase. La pomme est mangée. Il recopie soigneusement de sa belle écriture. La pomme est mangée. Et là, la cloche sonne. Alors évidemment, il finit son mot avant de quitter son ouvrage. Et pour le finir, il se pose une question. Qu'est-ce qui est mangé? Il se relit. Ce qui est mangé, c'est la pomme. C'est écrit. Donc il accorde manger et e. À côté, le moine numéro 2 recopie une autre phrase. Ils ont mangé la pomme. Il écrit ils ont mangé, mais la cloche sonne. Alors il termine son mot. Non pas la phrase tout entière, il n'a pas le temps, mais pour cela, il s'interroge. Qu'est-ce qui est mangé? Ce n'est pas encore écrit dans la phrase, on ne sait pas si ce qui est mangé, c'est une pomme ou un Big Mac. Alors le moine numéro 2 laisse manger et lorsqu'il reviendra après le déjeuner, il passera au mot suivant, la pomme, sans revenir en arrière. Passons maintenant au moine numéro 3. Il doit recopier la pomme qu'ils ont mangée est fatale. Mais là encore, la cloche sonne alors qu'il écrit la pomme qu'ils ont mangée. Il se pose la question que vous avez retenue, j'espère, toujours la même. Qu'est-ce qui est mangé? C'est déjà marqué dans la phrase, la pomme. Donc il accorde manger et e. Et vous voyez qu'en fait, avec cette histoire de moines et de pommes, on en revient aux règles que je vous ai rappelées. La pomme est mangée, j'ai accordé avec le sujet parce que c'est l'auxiliaire être. Ils ont mangé une pomme. Je n'accorde pas parce que le COD la pomme est placé après le participe passé. La pomme qu'ils ont mangée, j'accorde avec le COD la pomme, puisque ce COD est placé devant le participe passé. Nous arrivons donc à la phase finale de cette saga. L'astuce révolutionnaire qui va vous permettre de ne plus jamais vous demander quel est l'auxiliaire ou quel est le sujet, le COD. C'est la petite question que se posaient les moines. Qu'est-ce qui est? C'est cette seule question que vous devez vous poser face à un participe passé en vous souvenant bien que c'est le verbe être et non pas avoir. Qu'est-ce qui est et non qu'est-ce qui a? Parce qu'à ce moment-là, cela fausse tout. Qu'est-ce qui est me permet de trouver, selon les cas, le sujet ou le COD avec lequel accorder le participe passé. La phrase à retenir pour que le participe passé ne vous soit pas fatal, c'est donc celle-ci. Qu'est-ce qui est? Je reprends. Face à un participe passé, je me pose la question « qu'est-ce qui est ?» et j'ajoute mon participe passé. Cela résout même les cas les plus compliqués. Souvenez-vous, elles se sont entendues. Qu'est-ce qui est entendu? C'est elles, donc j'accorde au féminin pluriel. Mais elles se sont parlées. Si je pose la question « qu'est-ce qui est parlé ?», je n'ai pas de réponse, donc je n'accorde pas. La leçon est terminée. Qu'est-ce qui est terminé? La leçon. Donc j'accorde et e. Tu as compris
qu'est-ce qui ait compris la leçon ou le cours, je ne sais pas encore, donc je n'accorde pas. Mais la leçon que vous avez appris, qu'est-ce qui est appris ? La leçon, donc j'accorde apprise. Et bien voilà, cette leçon sur le plus douloureux accord de la langue française est terminée. Alors, ça s'est bien passé ? Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.